Il s'observe ces derniers jours une hausse des prix du ticket de transport pour l'intérieur du pays. Le prix du ticket de transport pour Bougendana, qui était à 5 000 francs, est aujourd'hui à 10 000 et celui pour Bukeye, qui était à 4 000, est à 8 000 francs. Interrogés, les conducteurs des véhicules en partance pour l'intérieur du pays expliquent cette hausse par la pénurie du carburant. Certains d'entre eux témoignent même qu'ils donnent une petite somme pour avoir un bidon de 20 litres d'essence. Ne sachant plus à quel sens se vouer, les passagers demandent au gouvernement de prendre à bras le corps ce problème. Avant la pénurie du carburant, on payait 5 000 francs pour aller à Nyeshenza. Mais avec cette pénurie, nous payons 8 000. Jeudi passé, le ticket était à 12 000. Et tout cela est dû à cette pénurie du carburant. Nous demandons au gouvernement de faire de tout son mieux pour que les véhicules puissent de nouveau s'approvisionner en carburant facilement. Ces jours-ci, les déplacements sont devenus difficiles. Les prix du ticket ont été revus à la hausse. Avant, je payais 2500 francs ou 3000 francs pour aller à Nyamitanga, mais aujourd'hui, j'ai payé 4000. Ils nous disent que c'est dû au manque de carburant. Nous demandons au gouvernement de trouver une solution pour que les prix reviennent à la normale. Nous demandons au gouvernement de voir comment faire pour pallier cette pénurie, car c'est très désolant d'avoir de l'argent pour les déplacements et de manquer de bus. Contacté, le porte-parole du ministère chargé du transport a promis de s'exprimer ultérieurement.